Coucou, c'est Logan et je suis avec mon gars Malcolm. Vous êtes sur Zap on Fire. Let's go. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la NBA, plus particulièrement, malheureusement, j'ai envie de vous dire, de Derrick Rose. Parce qu'il a, il a attrapé le Covid. Ah, le Covid 2020-2021 pour l'instant. On ne sait pas si ça continuera jusqu'en 2022. Wow. En tout cas, il a dit qu'il a développé une forme agressive qu'il a terrassée. Et il a parlé récemment, il a dit « C'est réel, le Covid, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas voulu le prendre au sérieux, mais c'est réel. J'ai déjà eu la grippe dans ma vie et là, ça n'avait rien à voir, c'était 10 fois pire. » Il faut savoir un truc, c'est que lui, il a eu le Covid, ou la Covid, mais aussi sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Bon, on a vu récemment avec New York, dans les gradins avec eux. Donc voilà, encore, j'ai l'impression que ça va mieux. Mais bon, grosse force à Derrick Rose. Là, on va parler de Blake Griffin. C'est parti. Attendez, New York sans Derrick Rose ont quand même fait du sale. Donc là, exactement. Quand Derrick Rose va revenir, aïe. T'es méchant. C'est quoi ? On va parler On va parler de leur concurrent, tu sais, Brooklyn. Brooklyn, allez, c'est parti. Ouais. Bon, c'était retour de Blake Griffin. Ça le traite, va. Effectivement, Blake Griffin joue maintenant avec Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden et j'en passe. Et il a effectué son premier match avec eux contre Washington. Victoire, si je dis pas de bêtises, 113-106. Il a marqué un seul panier. Enfin, il a marqué deux points, c'était un seul panier. C'était un dunk. Un dunk de Blake Griffin qu'il n'a pas fait depuis 2019. Et tout le monde a pété un câble. C'est un traître là. Il manque plus Chris Paul à Brooklyn et là c'est bon là. Les fake Clippers. Mais d'ailleurs j'ai une question, parce qu'on parlait beaucoup des Warriors, de leur super team. Mais est-ce que cette équipe est meilleure que la super team des Warriors? Non. Irving? Harden? Non. Kevin Durant? Ben Griffin? Non. DeAndre Jordan? Ouais, mais Draymond Green, Klay Thompson. C'est vrai que c'est incroyable. Stephen Curry. Donc pour toi, les Warriors sont meilleurs. Ouais, cette année-là, ils étaient très très forts et il n'y a qu'un mec qui a pu les frapper. Hein. On passe à la suite parce que je vais m'énerver. Bon, on reste encore aux States, mais c'est plus à NBA. On va parler un peu de rap, de basket. Travis Scott, il a fait une vidéo récemment où on le voit shooter de loin. Il met des. On dirait un sniper un peu. Hein. Avec son, exactement, c'est son shoot. Refais-le parce que c'est magnifique. C'est vraiment un shoot grave bizarre. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les rappeurs montrent de plus en plus qu'ils sont chauds dans le basket. Bah, Quavo dans 2v2 contre 2 Chainz et Lil Baby, il a dit que c'était le meilleur rappeur basketteur. D'accord. Et je me dis, Travis Scott, je crois que quand il fait ses vidéos, il veut provoquer indirectement quoi. Bon, tu vois ce que je veux dire? Okay. Il veut provoquer la table d'en face. Provoquer la table d'en face. Et du coup, je me dis, s'il y avait un match entre un 1-1 entre Quavo et Travis Scott, qui gagnera? Quavo? Ouais. Attention, parce que s'il met des 3 points tout le temps, Travis Scott, ça peut être chaud. Ouais, mais il a plus de femme, Quavo, donc il a plus que le basket. Il est pas... Ah oui, c'est vrai qu'il est pas... Ah ouais, c'est comment avec sa femme, là? Ils vont se remettre ensemble, je pense. Hein. Ouais. Bon, on peut passer à la suite. On part en Europe, c'est bon. Là, on va parler d'un jeune prospect qui est super chaud. Gros SO à lui. C'est monsieur Noah Bonanga. C'est en 2003. Il mesure 1m95. Il joue au poste d'arrière à Orléans Loire et Basket. Il a fait une belle performance son dernier match avec 23 points, 4 sur 8 à 3 points, 7 assists et 22 d'évaluation. Il faut savoir qu'ils sont premiers du classement Orléans. Ils jouent en National Masculine U18 Elite. Et ils ont zéro défaite. Ils ont fait 4 victoires, 0 défaite dans leur pool. Nous, on a fait la chaîne, sinon. Voilà. C'est incroyable, exactement. Purée, eux, c'est 29. La chaîne, c'est 29 victoires consécutives, ouais. Eux, c'est 4 victoires. Mais c'est énorme. A voir si ça va continuer, en tout cas, c'est un très gros prospect. Noir. Voilà. On parle pas assez de lui, je pense qu'il fait partie des futurs joueurs qu'il faut miser. Donc, grosse force à toi. Notez sur 10 ses petits highlights, parce qu'on a mis la vidéo. C'était sur 10. Ouais. Et c'était Logan et Malcolm pour un petit Zap on Fire. C'était un petit truc chill, tu vois. Oh merde. Et Sonoa Bolanga pour la connexion. Merde.
C'était trop marrant de merde. C'était trop marrant. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter ici. Noah Bonanga, grosse force à toi. Ensemble. Et on est ensemble. C'était Zap on Fire, c'était Malcolm. Ah non, mais c'est toi. Ouais, bah, c'est bizarre qu'on se présente. Bon, bref. Ouais, allez, peace.